Bon matin, bon lundi matin, yes! On commence par le haut du corps. Alors aujourd'hui, on va faire pratiquer des mouvements pour, oui, le tronc. Le tronc, les épaules, le biceps, le triceps et naturellement, ben, on va prendre du temps pour notre petit cou qui parfois, même la nuit, souffre. Ah oui, hein, on n'a peut-être pas le bon oreiller, le bon angle, on a peut-être mal dormi, on s'est promené à droite et à gauche et on a peut-être blessé un petit peu le cou. Mais peut-être que tu as aussi beaucoup, beaucoup de stress et c'est tout là que tu envoies ton énergie. Et notre cou, ben, c'est le grand conducteur. C'est lui qui nous permet de regarder à droite, à gauche, en avant, de côté. Et si on pouvait, ben, on regarderait même en arrière parfois. Alors, on se place bien sur la chaise. Aujourd'hui, on pourrait se mettre sur le bout du lit, sur le divan, mais on va commencer par prendre le temps de bien respirer. Alors, on expire, inspire par le nez, expire par la bouche. Hein? On peut fermer les yeux. Oui. Hélène qui dit « Bon début de semaine, 70 ». Et oui, 70 déjà. Incroyable. Encore une fois, inspire. On expire. Et ce matin, on va y aller avec des petits moments d'amour pour nos épaules. On y va pour 3, pour 4, pour 5. Et vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on y va pour le cou. Alors, on descend. Regarde le nombril. Les yeux sont bien à l'affût et on s'en va au plafond. Une coche de plus, le menton monte, monte, monte et on redescend. Encore une fois, on regarde le nombril. Pleine douceur ce matin. Regarde bien en l'air. De l'autre côté. Nombril. Rentre le bedon. Et de nouveau vers le haut. Et on s'arrête au milieu. Et là, on fait le hibou. On s'en va regarder d'un côté. Les yeux suivent. Bien droit. Regarde de l'autre côté. Écoute bien ton corps. Est-ce que ça fait cric-crac-crouc? Si ça fait cric-crac-crouc, peut-être que tu devrais faire ce petit exercice tous les jours. Et un peu plus loin derrière. Encore une fois. De ce côté et doucement de l'autre côté. Et on va travailler un peu les poignets. Alors, on leur donne juste 3-4 petits coups d'un côté et 3-4 petits coups de l'autre. On va travailler les biceps. Fais juste échauffer en faisant les mêmes mouvements qu'on va reproduire tantôt. Et on se penche un peu derrière pour les triceps, le petit mou. Et là, on va y aller droit devant en tournant pour les épaules. Alors, c'est les 3 mouvements qu'on va pratiquer. On a échauffé notre corps sans les poids. Et là, on recommence. C'est la vraie affaire avec les poids. Tu peux commencer ta première série un peu léger, pas te blesser. Allez, un peu plus lourd en deuxième série, ça sera parfait. Alors, on y va pour 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour les épaules, droit devant, on tourne. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 11. Allez, 12. Va porter devant. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On se penche à 45 et pousse derrière. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose les poids, on va chercher les plus lourds, si tu en as. Sinon, on recommence la deuxième série, les mêmes mouvements avec les mêmes poids. Retrouve ta belle posture, les épaules sont derrière, les bras sont collés et on monte. 1, 2, 3, peut-être plus difficile, 4, on y va pour 5, on y va pour 6, monte bien, descend bien doucement, 7, on y va pour 8, 9, et un petit dernier, 10, et un bras à la fois, épaule, 1, tu vas porter devant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue si on est capable. 11, 12, on y va pour 13, 14, respire bien. 15, 16, 17, 18, allez, 19 et 20. Et on se penche, pouce derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On dépose. Et peut-être que tes épaules ont besoin un petit peu d'amour. 1, 2, 3. 4, 5, change de direction. Et 1, 2, 3, 4, 5, regarde le nombril. Redresse. Ah, encore une fois, regarde le nombril. Redresse. Encore une fois, 3, et redresse. Le plus haut possible. On arrête au centre, côté. De l'autre côté, le plus loin possible. Encore une fois. De l'autre côté. Prends le temps de bien inspirer et expirer. Et on s'arrête, et pourquoi pas, pour performer. Juste un petit peu plus. On reprend nos poids, et dernière série. Et 1. Et 2. 3. Va pour 5, 6, belle posture, 7, 8, si c'est difficile, on s'arrête là, 9, sinon on fait notre 110%, 10, et épaule, 1, 2, 3, 4, 5, et on n'est pas dans la performance, mesdames, là, si c'est trop difficile, on s'arrête. On m'attend pour le prochain mouvement. Il n'y en a pas de problème. Hein? Tout est parfait. On fait de son mieux. Et pousse. Pousse. Allez les épaules. Encore. On y va. 1. De l'autre côté. On y va pour 2. De l'autre côté. 3. De l'autre côté. 4. Ouh, ouh. Et 5. Respire bien et pousse derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On dépose et là, on vient prendre 5 belles respirations. On inspire et on tient et expire. Inspire, tiens, expire. Inspire, tiens, expire longuement. Encore, inspire, tiens,
dernière fois, inspire. Tiens. Et longuement, le plus longtemps possible, on expire. Et yes, terminé notre beau 5 minutes du lundi matin, haut de corps. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu te sens pleine de vie et prête à débuter ta belle semaine. Parce que toutes les semaines sont belles. Toutes les semaines sont belles. Chaque journée est belle parce que tu as décidé qu'elle serait belle. Alors voilà. Et moi, ben, je suis en lancement. Et pour être juste, non, c'est pas vrai. Pour remercier toutes celles qui ont acheté un de mes programmes depuis 14 ans. Eh oui, 14 ans. Si vous avez acheté un de mes programmes, ben les lancements sur les différents groupes privés. Privés. Et si je vous oublie, levez la main. Écrivez-moi sur Messenger. J'ai déjà acheté un de tes programmes, Geneviève. Eh bien, vous avez la chance d'acheter mon nouveau programme en tout premier lieu. Eh oui, vous avez la chance ce matin. Et pour quelques jours, d'être les premiers à vous joindre à ma nouvelle communauté qui s'appellera Longévité. Ça fait des années que je dis, que je regarde ma mère, ma belle-mère. Moi, je veux vivre vieille comme elle. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leurs habitudes de tous les jours pour justement optimiser leur vie? Eh bien, c'est ce que cette nouvelle plateforme vous outillera. Ouais. Vous trouverez sur cette nouvelle plateforme un nouveau groupe privé, un nouveau Kajabi. C'est quoi Kajabi? C'est une plateforme de formation où vous avez toutes des petites capsules avec des petits PDF pour vous aider à justement passer à l'action. Parce que peut-être que vous en savez plein de choses, mais vous êtes encore à me regarder parce que je sais qu'il y en a qui ne font pas les exercices. Je sais qu'il y en a qui font juste me regarder. Ils me trouvent cool! Mais ils n'ont pas passé à l'action encore. Alors, dès le mois d'avril, on va débuter pour que le mois d'avril 2025, vous soyez ailleurs. Vous soyez une nouvelle femme. Vous soyez rayonnante. Peut-être que vous aurez retrouvé votre silhouette que vous recherchez depuis des années. Mais il n'y aura pas juste ça. Il y aura l'énergie ici, là. L'énergie que vous avez peut-être plus. Vous aurez peut-être retrouvé la stabilité, des muscles qui vous manquaient pour justement faire des activités, aller jouer dehors. Alors, c'est tout ça. Et aujourd'hui, ben pour toutes celles qui ont déjà acheté, ben vous avez la chance de connaître dans quelques heures, justement, tout ce que vous allez retrouver sur cette nouvelle plateforme. Et pour vous, celles qui n'avaient jamais utilisé un de mes services en privé, ben, ça sera au cours de la semaine. Alors, soyez-y tous les matins à 7h AM pour ne rien manquer. Parce que oui, je le dis toujours, première arrivée sur nos nouveaux programmes ont toujours plein de bonus. Toujours plein de bonus. Parce que oui, pour vous remercier de me faire confiance, ben, je donne toujours beaucoup de bonus. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit tous les matins à 7h AM, ou toujours en replay. Et indiquez-le, replay. Je me suis engagée à faire les 90 jours et je suis là. Ça encourage pas seulement vous, ça m'encourage à continuer, mais ça motive. Oui, c'est le mot que je voudrais utiliser. Motive toutes celles qui, comme vous, se sont engagées à faire les 90 jours. Je suis certaine, parce que quand vous écrivez vos commentaires, vous voyez celle qui est en dessous, ou même les quelques femmes qui ont mis les commentaires en dessous. Puis là, vous commencez à reconnaître des noms. Oh, elle le fait. Oh, Diane est toujours là. Diane, elle écrit à Geneviève, elle met plein de cœur. Oh, l'autre aussi a fait ci. L'autre aussi. Et peut-être que les premières journées, vous n'avez rien marqué. Et maintenant, vous mettez un petit commentaire. Vous m'envoyez un petit cœur, un petit coup de pouce. Peut-être que maintenant, vous le partagez. Et oui, l'importance de la communauté, l'importance de la gang. Une gang qui fait comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous, retrouver la forme, être plus énergisé
tous les jours. Et c'est là qu'on veut aller. On veut être plus énergisé. On veut avoir plus de force. On veut être plus stable sur nos deux jambes pour pouvoir faire plein de choses. Combien m'avaient écrit « Oh, je ne peux pas joindre la croisière parce que je ne vais pas bien. Oh, je ne peux pas parce que j'ai ci. » Vous avez encore 6 mois devant vous. 6 mois pour optimiser votre corps. 6 mois. 6 mois. Et ce matin, je vais vous donner l'exemple d'une belle, belle femme. Je ne la nommerai pas parce que je ne lui ai pas demandé ça. Mais cette femme-là, elle a fait la croisière et elle va se reconnaître. Elle a fait la croisière, la première croisière qu'on a fait, Juliana et moi. Avec une belle gang de femmes qui avaient dit « Oui! » Cette femme-là, ben, elle n'allait pas super bien. Plein de problèmes. Même jeune, cinquantaine. C'est jeune ça, cinquantaine. Mais peut-être qu'elle a 60, mais non. Elle a dans la cinquantaine. Et peut-être elle a 40, je ne sais pas. Mais quand on ne va pas bien, il n'y a rien qui va. Déambulateur pour se promener sur le navire. Cerné. Pas une belle qualité de peau. Pas rayonnante, même si c'est une femme drôle. Mais quand on est en douleur, quand on vit des choses difficiles, c'est difficile même si on est bubbly, même si on a toujours du plaisir, puis qu'on a toujours le sourire, puis qu'on partage ça avec tout le monde autour. C'est plus difficile. Il y a quelques mois, elle a décidé de devenir carnivore. Elle s'est engagée. Elle a fait le 60 jours. Puis aujourd'hui, elle a éliminé plein de poids. Aujourd'hui, elle rit. Aujourd'hui, elle n'a plus de déambulateur. Elle est capable de marcher seule. Elle est plus puissante. Elle va dehors. Elle va jouer dehors. Et elle continue. Et elle continue. Et elle continue. Et elle sera en croisière au mois de janvier. Sans son déambulateur. Elle aurait pu dire, voyons, c'est ça ma vie maintenant. Je m'en viens vieille, puis j'ai un déambulateur, puis je suis pas forte, puis je suis grosse, puis c'est de même la vie. Non, c'est pas de même la vie. J'aurais pu faire la même chose à 40 ans, c'est de même la vie. Non. J'avais décidé que je serais top pour mes enfants. Mais aujourd'hui, je vais être top pour mes petits-enfants. Hier, 2 heures assis à terre avec bébé Anne. Oui, 2 heures. Pur plaisir. T'es plus en forme qu'elle, elle a dit moi. Mais non. C'est flexible. Ça se plie partout. C'est merveilleux, ces petits bébés. Alors, si t'as besoin d'aide, puis tu sais que ça prendra pas une journée, 2 journées, 3 journées, peut-être que, justement, regarde bien ça passer. Cette semaine, puis pèse sur le bouton. Écris-moi. Moi, je suis prête. Moi, je vais prendre une année pour moi. Je vais me choisir pendant une année. Mais oui, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Puis il y a 20 ans, j'avais besoin d'aide. Mais je laissais toujours mes enfants passer en premier. Toujours. Mes enfants étaient toujours les rois. Tout ce que je faisais, c'était pour eux. Mais j'ai compris. J'ai compris que quand on fait passer tout le monde en avant, notre processus de changement, c'est plus long. Beaucoup plus long. Si je m'étais choisie puis j'avais dit « Geneviève, là, fonce! » J'aurais peut-être été top après 10 ans. Puis qu'il y aurait juste... j'aurais complété par la suite. Alors, si toi, t'es prête à te choisir, un petit pas à la fois, des 5 minutes ici, des 5 minutes là, pour t'assurer que dans 1 an, tu aies créé ce que tu veux créer, peut-être que la plateforme, notre communauté qu'on va bâtir ensemble, parce qu'on va le bâtir ensemble, tout seul, je ne bâtis rien. J'ai besoin de femmes. J'ai besoin de femmes qui, comme moi, ont besoin d'outils, ont besoin de transformer leur vie, une petite habitude à la fois. Peut-être que ça fait 70 jours que tu es là. Tu te dis, waouh, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais imagine si, dans 90 jours, tu avais transformé tes bouchées.
Tu avais commencé à boire de l'eau. Tu avais commencé à te donner du temps tous les matins. Mais un, hein, moi je dis les trois cercles du matin, les trois meilleurs cercles de la routine du matin. C'est tout ça. Mais aussi les meilleurs protocoles de sommeil. Mais aussi peut-être remettre l'écriture dans ta vie, la visualisation dans ta vie. Un petit peu plus d'entraînement. Parce que oui, c'est beau 5 minutes. Mais si tu en faisais 10 maintenant, que tu en fais 5 tous les jours, comment tu serais dans un an? Puis aller marcher dehors, ça semble simple. Mais le faites-vous tous les jours. Tous les jours. Voilà. Voilà ce qu'on va créer ensemble. Ensemble. Oui, je vais vous amener dans mon univers. Mon univers qui est créé de juste petits 5, 10, 15 minutes ici et là, au bon moment. Les bonnes bouchées au bon moment. Les bons verres d'eau au bon moment. Parce que si, dans votre coucher à 9h, puis que tu dis « Oh shoot, j'ai pas bu mon eau » et que tu te mets à boire, ben tu vas uriner toute la nuit. Est-ce que c'était boire au bon moment? Non. Il faut boire au bon moment. Il faut manger au bon moment. Et ça, ça s'apprend. Ça se crée. Et c'est ça. C'est ça, notre belle communauté de femmes qui va être créée et qui se crée au cours des prochains jours. Parce que le 1er avril, yes, yes, on va partir la machine. Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit demain matin, 7h. Bye les filles.